Alors, numéro 12, pressé le matin, il te faudra juste 3 minutes. Donc, le numéro 12. Je crois qu'on va se retrouver. Je sais. Ah, remarque, non, je sais pas si je te l'ai pris celui-là. Oh, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc c'est la marque Yves Rocher. Ils l'ont sorti, c'était une petite gamme qu'ils ont sorti il y a, je sais pas, peut-être 2 mois. Peut-être quelque chose comme ça, je sais plus. Donc là c'est le masque effet glacé, 3 minutes crème berry. Mais je me rappelle plus si je te l'ai pris ou pas. Je m'en souviens plus. Enfin bref, ça sera la surprise. Et du coup moi en tout cas pour moi je voulais me le prendre et je me le suis pas prise. J'avais pris autre chose à la place. J'avais pris la brume vitaminée. La brume vitaminée pour le visage de chez eux. Donc c'était de la même gamme en fait. Donc je suis trop contente. Dis donc avec les masques. Wouhou! Si avec ça j'ai pas une peau de bébé en 2014, c'est qu'il y a un problème. Une marque anglaise sous la douche. Ah! Une marque anglaise. Ça par contre. The Raspberry Kiss Touch Moon. Je sais. Trek of Touch Moon, n'importe comment. Trek Moon. Donc c'est un gel douche gommant. Raspberry, ça veut dire quoi déjà? Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout ce que ça veut dire Raspberry. Si c'est des. C'est pas des fraises, non, je sais plus. Je sais plus, bref. Donc c'est un gommage corporel. Ça c'est parfait. J'adore ça moi les gommages corporels. Oh ils sentent trop bon. Ils sentent le bonbon à moitié. Ah j'adore. Franchement j'adore. Ah oui. Non, en plus je le trouve trop girly quoi. J'adore le rose. Ça fait trop mignon. Franchement merci. Je connais pas du tout cette marque là. Donc du coup ce sera une occasion de tester. C'est le gros bazar sur mon bureau. Ça y est, ça commence à être le gros. Les gros produits là. Alors moi j'ai pas du tout acheté des gros produits. Je suis dégoûtée. J'espère vraiment que ça va te plaire quoi. Alors attention, c'est le 14. Attention, ça peut faire boum. Qui m'a mis une bombe. Ça peut faire boum. Ça peut me faire peur aussi. Attention, ça peut faire boum. C'est un vernis. C'est bien le numéro 14, ouais. Peggy Sage aussi. Donc, c'est grenade. Oh, il est trop beau. C'est un rouge rosé. Enfin, ou un rosé. Ou un rose rougé. Bref. Il est. Enfin, de ce que je le vois, il a l'air assez flashy. J'adore ça, moi, de toute façon. Ouais, c'est plus dans les tons rosé, rouge. Enfin, grenade, quoi. Donc du coup parfait, c'est je sais pas si c'est mon premier vernis Peggy Sage je crois, parce que j'ai une tonne de vernis, mais en tout cas ça nickel quoi. En ce moment je suis à fond sur, je crois que je vais même enlever le vernis que j'ai actuellement et je le mettrai juste après. Et donc ce sera une occasion aussi de tester la marque au niveau bah, des vernis, puis même des rouges à lèvres, enfin même de tout quoi en fait. Parce que c'est vrai que cette marque là, je suis pas, enfin je sais pas. Je n'ai jamais été attirée par cette marque-là. Les seules choses que j'achète dans cette marque-là, c'est les produits pour les ongles, mais pour le gel UV en fait, puisque je fais les ongles. Mais après, c'est tout quoi. Donc je suis pressée de tester. 15. Il me semble que tu en voulais un. Ah. Il me semble que tu en voulais un. Oh yeah. Oh. Ok, ça va être mon premier. Donc c'est les lip balms en fait de. C'est les baumes qu'on dit, je m'en rappelle même plus. Bref, c'est les rouges à lèvres Revlon. Ah, faudrait que je peux pas l'ouvrir là. Sinon je vais tout péter. Parce qu'il y a la petite étiquette. Bon, j'enlèverai la petite étiquette. Et lui, c'est le, pour celles que ça intéresse, c'est le Tutti Frutti. Donc je crois que c'est un orangé. Donc voilà, c'est un orangé. C'est bien ce que je pensais. Ça tombe super bien parce que j'aime bien les tons orangés. Donc ça me fait super plaisir. Moi je suis pas difficile en maquillage. Au contraire j'aime bien les choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Là le violet, le orangé, enfin voilà. J'aime vraiment beaucoup ce genre de couleur. Donc tu pouvais pas te tromper. Numéro 16. Vitamine C pour le corps. Tu m'as pris un beurre corporel The Body Shop. Qui est à l'orange je crois. Peau normale, super. Contient de l'huile de clémentine.
Donc je suis une grande dingue en fait des beurres corporels. J'adore ça. Je préfère les beurres pour... Je préfère les beurres corporels au lait. Enfin, même si le lait, des fois, c'est plus pratique parce que ça s'étale en deux-deux. Mais bref, du coup, je suis super contente de ce que tu m'as choisi, le parfum. Ah ouais, il sent super bon. Ah oui, il sent bon la clémentine. Enfin, on sent l'odeur acidulée du beurre. Donc, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Toujours utile, 17. De la brume Vitality au minéral. Ah, j'en utilise jamais. J'en utilise jamais. Donc, by U. Ah, t'as trouvé vraiment une bonne idée. Aux extraits de raisin et de mandarine. Mais c'est vrai que j'utilise jamais de brume en fait. Enfin, sur le visage, oui. Mais là, sur le corps, est-ce que ça se met sur le corps et visage? Oh, je vais tester ça parce que c'est vrai que je débute hein, dans l'univers des brumes. Je débute vraiment. Donc, du coup, c'est parfait. 18. Plutôt framboise ou pomme d'amour? Ouh, les deux! Allez. Franchement, tu t'es bardée, t'es vraiment une pro dans le domaine des swaps, toi. Donc, ce sont deux. Eh bien, je sais même pas ce que c'est. Deux rouges à lèvres, je pense. Ouais, je suis pas bébête. Punaise, j'ai été à Yves Rocher en plus, mais franchement, je leur ai demandé, hein, je leur ai dit, mais est-ce que vous n'auriez pas des produits avec des noms de fruits, tout ça? Maintenant, on n'a que voilà, des produits des soins, quoi. On n'a pas de maquillage. Pff, la prochaine fois, je chercherai mieux parce que franchement. Donc, ce sont deux petits rouges à lèvres. Un d'un sublime, ça fait un sublime rouge un peu. Donc, le rouge, c'est le pomme d'amour et le rose, le framboise. Je pense que c'est comme ça. Donc nickel. Alors niveau rouge à lèvres, franchement. Oh, mais je suis blindée. Je suis blindée. Tu sais, j'ai refait ma collection de rouge à lèvres là. Alors, 19. Packaging trop mignon. J'ai craqué. J'espère vraiment que mon swap il va te plaire. Franchement, t'as vraiment des idées de fou. Des marques. Je pense que je vais me faire un petit carnet en fait pour mes prochains swaps et noter toutes les marques utiles. Parce que vraiment, pêche abricot, donc c'est un autre baume pour les lèvres. Ils sont super bons. Ouais, j'aime beaucoup. Donc je suis parée pour l'hiver aussi. La marque, il n'y a pas de marque, mais bon, c'est un baume quoi, j'ai envie de dire. Je suis super contente. Ah si, il n'y a pas de marque, la fille. Il n'y a pas de marque. Réserve naturelle. Hein. C'est réserve naturelle. Désolée. Il n'y a pas de marque. Série. Oh, série limitée. J'ai trop de mal. Je viens de faire une grosse bourde, c'est pour ça m'a. Alors, le kiwi, tu aimes. Numéro 20. J'adore le kiwi. C'est un de mes fruits préférés. C'est trop mignon. T'as vraiment des idées de fou, franchement. Il va falloir qu'on discute toutes les deux après. Hein. Tu me donneras toutes tes petites astuces, tous tes bons plans là. Un peu de litchi, c'est deux saisons. 21. Allez. Ah, il est trop beau. C'est un joli blanc. Ça, en ce moment, en plus, les vernis dans les tons blancs, ça revient énormément. J'adore. C'est un blanc jaune cassé, enfin un blanc cassé. Il est super beau. Franchement, ça me fera deux vernis de chez Peggy Sage. Nickel. Ensuite, j'ai failli oublier les cheveux. 22. Shampoing mûre groseille. De chez Sephora. J'ai jamais testé, jamais, jamais. Les shampoings de chez Sephora, ni même les gels douche, je crois pas, non. Pas de gel douche, même aucun soin, je crois, chez eux. Ah bah si, les beurres corporels, pardon. Ah, il est excellent. En plus, le packaging, il est trop mignon, quoi. C'est excellent. En plus, c'est petit, pareil. Moi, j'aime les petits formats. C'est excellent.
J'arrête pas de dire que c'est excellent. Donc, mûre groseille. Ils sont super bons. Alors, 23. Un épu de gourmandise. 23. Oh bah tiens, j'ai dans les mains en plus. N'importe quoi, moi. Instant naturel. Du sucre bio aromatisé hibiscus myrtille. Ah, excellent! Du sucre. Putain, mais j'y ai pas pensé non plus. Eh, mais tu penses à tout. Franchement, t'es la reine des swaps, quoi. Ça me fait halluciner. Vraiment. Hop! Niveau odeur, par contre, ils sont pas. Ah, si! Ils sont un peu. La myrtille, on dirait, c'est ce que j'ai dit, ouais. Avec des petits trucs, des petites fleurs d'hibiscus. Et ça, ils disent qu'on peut l'accompagner, enfin le mettre dans des yaourts. Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. Pâtisserie, compote, confiture, salade de fruits, crêpes, thé, infusion. Ah, ouais, dans les infusions. Franchement, super bonne idée. Nickel. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à t'envoyer un peu des trucs. Bah, dans ce style-là, je t'ai envoyé des petits gourmandises, mais pas ça, quoi. Donc, trop bonne idée. 24. Il paraît que c'est anti-stress. 24. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que c'est anti-stress. Oui, c'est anti-stress. Ah, excellent. Donc, chocolat noir, myrtille, intense. Voilà, de Céline. 25. Pour framboiser tes yeux. 25. Pour framboiser tes yeux. De la marque New York Color. Oh, il est trop beau. C'est un petit parme, en fait, un peu prune. Bah, couleur framboise, quoi, on va dire. C'est, ouais, un petit rosé. Non, il est très très beau. J'aime beaucoup la couleur. Donc, pour celles que ça intéresse, c'est le 919. Buzz List. Ensuite, de la vitamine au petit-déj. De la vitamine au petit-déj. Qu'est-ce que ça peut être? Une petite confiture. Ah, je me suis fait mal. De la confiture orange et clémentine. Donc ça, à goûter, c'est excellent. De Corse. Bah dis donc. Je suis pressée de pouvoir le goûter. J'ai hâte, parce que j'adore la confiture. Franchement, je suis pas quelqu'un de compliqué, moi, niveau swap. Ensuite, j'ai trouvé l'odeur sympa, numéro 27. De chez Nocibé. Ah, j'arrive à l'ouvrir. C'est du lait pour le corps, cerise amande. Ah, cerise amande, ça doit être sympa. Ah ouais, ça sent super bon. Ah, la vache. Que je m'en mette pas sur le nez. Ça sent super bon, franchement. Le mélange des deux, cerise amande, ça ressort super bien. Je vous conseille vraiment, pour les filles qui aiment les odeurs fruitées, sucrées, il est parfait. Pareil, toujours petit format. Moi, je suis vraiment une fada des petits formats. Vous allez prendre pour une tarée ou pour une... Je suis pas du tout une radine, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que je suis vraiment fan parce qu'on peut tout tester. Plus on peut prendre, je sais pas, une dizaine de petits produits, c'est ça qui est excellent. La goyave, tu aimes. 28. Donc, un masque. C'est les masques à l'unité de chez Claire's. Donc celui-ci, il est, bah je suis bête. Il est à quoi, tu m'as dit déjà? À la goyave. Donc oui, j'aime la goyave. À tester. Et lui, c'est un peeling. Ah non, peeling de papaye. Enfin bref, c'est un fruit exotique. Et c'est un peeling apparemment. Donc, excellent. Je vais tester ça. J'ai jamais testé les masques de chez Claire's. Donc on va voir ça. Alors, 29, une petite boisson chaude, ça te tente? Oui, on ira se prendre un petit café ensemble.
Le thé, j'adore le thé, les infusions. Je déteste le café, mais alors. Excellent. J'adore. Ça sent super bon, donc c'est bio, AB, agriculture biologique. Ah, c'est peut-être marqué dessus. Ah, thé vert à la grenade. Ok, bah ça peut peut-être être ça, c'est la grenade qui, je sais pas. 15 sachets pyramide biodégradable. Oh, excellent. Avec ça, petit thé, je pense que tout à l'heure c'est le petit thé, chocolat, parfait. Et pour finir, on finit avec le plein de vitamines. Que ce... Oh excellent, elle m'a pris un soin pour le corps. Belle à croquer. Qui est au pamplemousse, je l'ai jamais vu celui-là. Je l'ai jamais vu, il va falloir que tu me dises où est-ce que tu l'as eu. Puisque pamplemousse, j'adore l'odeur. Et je l'ai jamais vu, simplement, je l'ai jamais vu. Donc, belle à croquer, c'est le cocktail très frais au pamplemousse, soin tonus corps. Donc voilà, pour le swap est fini. Je te remercie vraiment beaucoup, Hélène. Franchement, tu m'as gâté un truc de malade. J'espère que mon swap, il va te plaire. S'il te plaît pas, mets pas la vidéo en ligne. Non, je rigole. Mais vraiment, je vois que tu as mis, enfin, que tu as beaucoup cherché, que tu as mis vraiment de ton cœur. Que voilà, ça t'a fait plaisir. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le faire avec toi. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'il va te plaire, mon swap. Puisque voilà, je serais un peu dégoûtée s'il te plaît pas, mais bon. C'est vrai que je vois la différence entre le mien et le tien. T'as vraiment misé sur des gros produits, moi plus sur les petits. Mais j'espère quand même que ça te plaira. Donc je te fais d'énormes bisous. Et j'espère que tu vas prendre énormément de plaisir à ouvrir mon colis. En tout cas, moi j'ai pris vraiment mon pied à ouvrir le tien. Je te fais de gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.